Donc voici une petite recette pour véritablement là pour les abonnés lecteurs de Saint-Nazaire News. Hein. Donc la première des choses que vous allez faire, donc là j'ai 1 kg de farine blanche, donc c'est la type 55, hein, vous trouverez dans tous les commerces. Et puis je vais y mélanger mon sucre, donc ici mes proportions pour 1 kg, là j'ai 200 g de sucre. C'est que moi j'ajoute un petit peu de sarrasin, c'est voilà quelques grammes, hein, on n'en met pas plus. Et là ici j'ai à peu près 15 g de gros sel. Donc je vais mélanger tout ça à sec, voilà c'est le moment de le dire. Et je vais creuser un petit puits. Je vais ajouter à l'intérieur là 7 à 8 œufs que je vais casser au milieu. Mais ensuite il va falloir que je mélange ça avec mon liquide. Je vais préparer mes 2 litres de lait. Alors du lait demi-écrémé ou du lait entier, c'est comme vous le souhaitez, selon votre goût. Donc j'ai fait fondre au préalable 60 g de beurre de micelle et que j'ai refroidi avec un lait qui est légèrement tiédi, et on va mélanger ça tout doucement à la spatule, et c'est le meilleur moyen d'éviter les grumeaux. Et ensuite nous passerons notre pâte, ce qu'on appelle un matériel, on va la passer dedans pour enlever les derniers petits grumeaux, et pour peu que vous auriez fait tomber une coquille d'œuf, et bien on va obtenir à la fin voilà une pâte très onctueuse, celle-ci, et nous allons faire de belles crêpes qui va régaler tout le monde. Salut, Sophie. Vous avez ouvert une école de formation de crêpiers, l'école de crêperie Le Rouic à Kerlédé, à Saint-Nazaire, et vous formez des crêpiers dans le monde entier. Alors présentez-nous un petit peu votre école. Alors j'ai créé l'école parce que c'est peut-être l'école que j'aurais voulu moi avoir connue pour lancer ma propre crêperie. Alors cette école crêperie, si je dois en dire deux mots, c'est tout simplement de pouvoir former des gens qui vont devenir des crêpiers, qui en food truck, en remorque, crêperie traditionnelle ou peut-être se spécialiser sur de l'événementiel, mais en apprenant l'essentiel. Ils passent une trentaine d'heures avec moi et vraiment apprendre à, comme je le dis, à ne pas se mettre la tête dans le mur et connaître faire bon, copieux, pas roboratif, mais dans la tradition de nos crêpes et nos galettes dites bretonnes. Il y a des gens qui viennent de partout, puisque là, à vue de pile, je tête à 36 ou 38 pays différents de gens qui sont venus me voir. Alors, je parle pas toutes les langues, je me débrouille avec un peu d'espagnol, pas mal d'anglais, et puis en français, et puis la cuisine, c'est comme le reste. C'est-à-dire, il suffit de se regarder, de montrer ce que l'on fait avec nos mains, et les gens comprennent bien. Comment ces personnes qui viennent de tellement de pays différents vous connaissent? Bah, c'est simple, moi je suis, je veux pas dire un vieux geek de 62 ans, mais je suis ouvert à beaucoup de choses, et notamment aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir sa régie son, sa régie vidéo, sa régie et de se faire connaître à travers le net. Donc le net, il est à la fois pourvoyeur de bonnes choses et de moins bonnes choses, mais en ce qui me concerne, je suis connu surtout à travers mes vidéos, mes petits tutos, etc. Combien de temps faut-il avant d'avoir la main? Les gens qui viennent ici, on peut avoir le déclic. Si on leur transmet bien le geste, ils peuvent avoir le déclic en 20 minutes. Certains vont mettre une demi-journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils partent avec les meilleures idées, notamment pour faire bon. Vous rencontrez aussi beaucoup de personnes qui sont en pleine reconversion, qui changent totalement de métier. J'ai des gens qui viennent ici, qui avaient des métiers, mais totalement différents. Les gens de la santé. On va prendre ça, des gens qui, par vocation, ont épousé un métier, voilà, une vraie vocation, et qui, à un moment, pour X raisons, enfin, le déficit des moyens, etc., on en entend parler dans les médias sans arrêt, eh bien, abandonnent le métier, ou j'ai même eu des policiers, des CRS, Johan...
Carasso, qui est footballeur professionnel, qui a joué à Rennes. Alors ça, c'est une des belles histoires, si je peux la faire un peu courte, c'est qu'il est venu me voir il n'y a pas très très longtemps, il a ouvert un food truck qui s'appelle Mistral Galette. On lui fait un peu de pub comme ça. On fait un peu de pub, mais voilà, c'est de la reconversion, c'est-à-dire qu'à un moment, il a dû interrompre sa carrière à 30 et quelques années, parce qu'il a eu un pet de santé lié au choc des footballeurs, hein. C'était un gardien de but qui était très connu, et effectivement, il est venu se former, et aujourd'hui, il a son food truck, et puis ça marche très très bien. Plus de 400 élèves formés dans le monde entier. Vous allez un jour faire le tour de toutes ces crêperies? J'aimerais bien, sauf qu'on n'a qu'une vie. Alors effectivement, ce que j'aimerais, c'est prendre du temps et puis pourquoi pas aller les visiter, faire leur portrait. Alors peut-être un jour l'idée d'un bouquin, puisqu'on me l'a demandé, mais aller les visiter et puis de faire un échange avec eux, c'est-à-dire parler d'eux. Ce qui fera parler de moi en même temps un petit peu, mais en leur demandant de livrer un conseil, une recette, un truc qu'ils font. C'est-à-dire le partage que j'ai toujours voulu. Voilà, ici, c'est salut Jean-Marc. Salut les troubles. Ça va? Salut, ça va? Ils ont baissé le budget des invités ce soir. Oh, c'est la dernière roue du carrosse, hein. J'en marque pas. C'est bon. Pourquoi tu dis ça? On sait pas, on dit des trucs comme ça. Bah, Marshall, quand même, c'est pas. Ouais, moi j'adore. En plus, tu l'adores. Ouais,